Merci d'être venu ce soir à la rencontre dialogique, la psychiatrie, la psychanalyse et l'art, l'œuvre du regretté R. Guy Pilon. So thank you, ladies and gentlemen, for coming this evening to the dialogic encounter on psychiatry, psychoanalysis, and art, the work of the late R. Guy Pilon. Je m'empresse de vous présenter justement notre invité, le docteur Mounir Sami, psychiatre, psychanalyste et également fondateur de la fondation Aquarius. Aquarium. 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 Fondation à but non lucratif. Et pour moi, c'est un privilège de collaborer encore avec docteur Sami. La première fois qu'on a fait une rencontre dialogique ensemble, croyez-le ou non, Dr. Sami, tenez-vous bien, ça fait comme 20 ans. So, it's a real privilege to hold a dialogic encounter with Dr. Mounir Sami. We did so the first time some 20 years ago. Now, we've stayed in contact ever since. And le principe opérateur d'une rencontre dialogique est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. The operative principle of the dialogic encounter is this. There's only one wrong question. That's the unasked question. Or, je vais expliquer maintenant le modus operandi d'une rencontre dialogique, mais mes recherches actuellement porte sur la sociologie de l'art. Donc, j'ai choisi des œuvres du corpus de R. Guy Pilon. Je les ai envoyées à plus de 200 personnes à travers le monde, toutes disciplines confondues. Ils sont d'arrière-plan différents, de langues maternelles différentes, de disciplines différentes, d'âges différents. Donc, et je l'ai envoyé à tous ces gens-là. Et voici ce que je leur ai demandé, ce que j'ai fait. J'ai pris, je vous donne l'exemple. J'ai envoyé une image haute résolution de cette œuvre. J'ai enlevé le nom de l'artiste. J'ai enlevé le titre de l'œuvre. J'ai enlevé les dimensions. J'ai enlevé la date et... Donc, tout ce que les personnes, c'est plus de 200 personnes, avaient en commun, c'était l'image devant eux, devant elles. Et je leur ai posé la question suivante. Qu'est-ce qui vous frappe? Point d'interrogation. Pourquoi? Point d'interrogation. So, my current research is in the sociology of art, and I contacted over 200 people. They are from around the world. They have different mother tongues. They are different ethnic, cultural, religious backgrounds. They are of different ages. And I sent high-res images of the art of R. Guy Pilon to them. For example, this work. I removed all references. That is to say, they did not know the name of the artist. They did not know the title of the work. They did not know the dimensions of the work or the medium. They did not know the date. They knew nothing except what they saw in front of them. And here is what I asked them. What strikes you? Why? And so I'm going to share with you now some of the 200 responses that I receive. I will read them out anonymously, and I will then invite Dr. Mounir Sami to reflect, respond, react, or as we say in music, to riff on what they wrote. And that will serve as the catalyst for our collective conversation on the creative vision and artistic development of R. Guy Pilon. Alors, voici une personne. Je ne dirai pas
ce qui me frappe, mais plutôt ce que l'œuvre m'inspire. Les couleurs vives qui sortent de l'obscurité me donnent à penser à la source de vie fragile. La partie bleue en coin de ciel, en arbre qui tombe, et des visages se découpent dans un fond aux couleurs sombres, dans des coloris éclatants qui font écho à la nature. Est-ce une abstraction qui fait fi de toute représentation de visage et que l'accident a créé des visages improvisés lors du geste créateur? On voit toujours avec notre propre regard et nos perceptions émotionnelles et ses codes culturels. J'ai, à la première vision du tableau, l'impression que même dans l'obscurité, il y a de la vie lumineuse qui nous entoure. Voilà, Dr. Simple. Alors, je vous invite à prendre le micro. La première chose qui me vient à l'esprit en écoutant ce commentaire, c'est la sensorialité. D'accord? La personne parle de nature, parle de couleur, parle de vie, c'est très sensoriel. On pourrait ajouter beaucoup de choses à la sensorialité. Et donc, au départ, pour moi, l'art, c'est aller chercher au fond de nous-mêmes une existence, un vécu sensoriel que peut-être on avait dans le passé, lorsqu'on était enfant, qu'on a perdu et qu'on recherche. Alors, la personne parle de source, parle de couleur, et parle de... Il y a un terme qui a été utilisé, éclatant, c'est ça, obscurité, il y a la lumière, donc la couleur, il y a la notion de lumière. Tout ça, c'est de la sensorialité. Et ce qui est extraordinaire avec une œuvre d'art, c'est que cette sensorialité ne se limite pas aux cinq sens. On pense que la sensorialité, c'est les cinq sens, parce que, bon, c'est la peau, notre contact avec l'extérieur, c'est-à-dire la vision, l'ouïe, je ne sais pas, le goût, le toucher, les cinq sens. Mais la sensorialité sur le plan psychanalytique revient au corps. C'est le corps natal, comme je l'appelle, le corps naissant, comme je l'appelle, où la connaissance et la sensation n'étaient pas deux choses séparées. Où la connaissance et la sensation étaient une et même chose. Il y a aussi une syncrétisation de l'expérience. Donc c'était tout. C'est comme un gestalt de vécu qui n'est pas catégorisé de la même façon que ça devient catégorisé à l'âge adulte. En philo, on appelle ça l'unicité. Oui, il y a une unicité. D'accord? Tout comme dans l'œuvre d'art, et je me suis posé la question lorsque le professeur Cornette posait, je ne m'étais pas posé cette question avant, c'est intéressant parce que j'aurais dû, mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait une œuvre d'art? Est-ce que c'est parce que c'est dans un musée que tout à fait c'est une œuvre d'art? Est-ce que ce stylo-là, si je le mets derrière une très belle vitrine dans le Louvre, est-ce que ça devient une œuvre d'art? Et lorsqu'il est dans ma poche, ça devient un stylo 49 de 10 piastres que j'ai acheté. Alors, qu'est-ce qui fait une œuvre d'art? C'est la question que s'est posée Marcel Duchamp. Ah oui? Vous lui direz bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait une œuvre d'art et pourquoi est-ce que c'est une œuvre d'art? Je pense que, et je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a 199 mots. C'est qu'il y a
Et il faut toujours réfléchir, et en psychanalyse, et c'est ça que je veux, prendre des lunettes psychanalytiques, et je veux parler de l'envers, the other side, the hidden side, de ce qu'on ne voit pas, ce à quoi on ne pense pas, the unconscious, what escapes our awareness and yet is very operative, is very present in our everyday life. So for me in art, there is something, there is a duality of a unique expression, something unique, because it's a creation. It's something, you know, this is unique to the artist, okay? A very personal expression of the artist, a reinvention of his own, so a recreation of the artist, which in the same time can be universally communicated. In other words, that carries within this uniqueness codes, which is the corporality, which is the sensoriality, which is, you know, like we can add to the sensorial aspect light, darkness, or play with light and darkness, okay? We can act about heaviness, light or heavy, so light in terms of lightness. We can say it's a hot or it's cold, okay, about the painting. But we can also talk about vibrations. We can talk about rhythm. We can talk about sequences. We can talk about jazz, okay? And I was sharing very embarrassingly with Professor Cornette, who explained to me once that abstract art is the visual expression of jazz. And I all of a sudden understood why I am biologically allergic to both, but became gradually more, you know, relating more to abstract art, but jazz would take, I think, another, it's something else. So to go back to what I was saying, art is a language. Like mathematics is a language, like English is a language, or French is a language, art is a universal language. What makes it universal? I don't know what makes it universal. Probably the corporality itself. In other words, that the codes of the art stem from a primary experience that we all forgot, because we are all in exile of our childhood. So we are all in exile of how we have perceived the world, how we have taken in the world in the first 2 years of our life before we started to speak and lie and negotiate reality. And before we started to categorize things, you know, by age 8, there is the repression barrier in psychoanalysis, and then we become like, you know, little adults, unfortunately. But then we spend a lifetime trying to recapture that aesthetic sense of childhood, okay? That perception of that knowledge of childhood. Because from childhood is all the precious things that we have in adulthood. You know, we will go back to that. Mm-hmm. Super. You know, I don't know how many analysts you have invited, but we're silent all day, and then we're asked to speak. We don't know how to stop. So yeah, because in my office, I only make appropriate analytic noises like mm-hmm, mm-hmm. So, je disais que l'art, et qu'il y a une unicité dans l'art, mais qu'il y a aussi une universalité dans l'art, parce que c'est l'expression individuelle de quelque chose qui peut être reconnu par les autres, parce qu'on réagit à l'art, n'est-ce pas? L'art, il y a quelque chose d'universel. Et c'est universel parce que l'art est un langage de l'univers, c'est un langage humain, un langage qui, je pense, traverse les cultures, traverse les âges, traverse les... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une possibilité, une façon d'expliquer ça, c'est que ce langage-là tient sa source de notre corporalité, c'est-à-dire de
qui on était lorsqu'on était enfant, de l'expérience de la vie, de la sensorialité lorsqu'on était enfant. Et je disais comme exemple de sensorialité, pas seulement les cinq sens, c'est-à-dire l'art, pour ça c'est un art visuel, mais d'un autre côté, on n'est pas conscient. On n'est pas conscient des vibrations. On n'est pas conscient de toutes les autres choses qu'on ressent, mais qu'on ne nomme pas nécessairement. C'est comme dans la musique, le corps vibre lorsqu'on écoute de la musique. On n'est pas conscient de la vibration, mais on sait que ça nous transforme. D'accord ? La même chose pour une pièce d'art. Lorsqu'on reconnaît une pièce d'art, on réagit de façon biologique, de façon synchronique, syncrétique, je devrais dire. C'est-à-dire la multipolysensorielle en même temps. Et c'est comme ça que le nouveau-né en pense, parce qu'on a tous oublié comment on était lorsqu'on était nouveau-né, mais c'est de là la source de toutes les humanités, c'est ça la source de toutes les philosophies, et c'est ça la source de tout ce qu'on a de précieux comme adulte. Tout comme la foi, l'amour absolu, tout ça, ça vient de notre enfance, c'est pas des fax qu'on a reçus. Je devrais changer mes exemples, mes analogies, c'est pas des textos qu'on a reçus, pour être plus à la page. On n'a pas trouvé ça sur Facebook, ça vient de notre expérience de l'enfance. Et toute la maturation adulte est un petit peu, en même temps, un processus de deuil et un retour à l'enfance, du moins sur le plan psychanalytique. Ce que je viens de vous dire n'a rien à voir avec ce que j'ai dit en anglais, mais ce n'est pas grave. Je suis satisfait de votre réponse. Merci, Dr. Samy. So who would like to ask a question? Qui sera le premier à poser la question? Yes, sir. Hello, my name is Joel Fink. I'm a colleague of Dr. Sammy's. I'm a psychotherapist. We actually share in the same building. We have our offices. It's funny, Dr. Sammy, that you talk about going back to the source, because my first association to this picture was the Garden of Eden. I don't know why exactly that. It was before you even said anything. This is my first association. So, of course, and this is always, you know, in a biblical sense, this is going back to a source that we can't go back to. Yet, it's where everything emerges from. And which we all long for. We all long for and we all strive for, exactly. So that's my, that was my commentary. So this is, thanks, Joel. You can call me Sammy even in public. No, only in public I call you. Yes. In fact, there are several things I want to say, you know, and one of my reflections, and I think it was with Mrs. Roosevelt or Professor Cornett, I said, maybe we should never name an artwork, you know, because if this artwork, instead of it called Les Loups, je pense, En guettant les loups, okay, had no name, then you can project better. Then you can create your own name. Then you can decide. Then you can change its name every 6 months, okay? Then you can. Because already by saying En guettant les loups, you're going to look for les loups, or you're already scripted somehow, okay? So I'm very happy that you saw the Garden of Eden here, because there is definitely something aesthetic, okay? And when I talk about sensoriality and the multi-sensoriality, because in here there is again light and temperature and the heaviness and lightness and I can go on, okay? Oceanic feeling of Romain Rolland and Freud and so on and so forth. You saw the Garden of Eden. Well, it makes me think of, again, the aesthetic aspect. Mm. In other words, there's something beautiful, even if it's tragic, even if it is troubled, even if it is complex, like there is something beautiful in taking care of a baby who's crying, okay? It's beautiful, you know, but it's beautiful, and there is, so
there is something very aesthetic about it, but then we say that pleasure could have in the human mind multiple models, okay? We have the Garden of Eden, and you saw the Garden of Eden. Somebody else would see heaven. And it's interesting that in many, many, many languages, heaven and paradise are very different things. Paradise is a place where you have everything you want. Heaven is being where the loved ones are. So these are two models from the psychoanalytic point of view of the human mind. And we live with both these models. One of the model is, if we want to be analytic, is the Freudian model. This is the drive theory. So Freud would see, you know, the Garden of Eden, L'Eden, paradise, okay? Whereas the object relation model, the model of the mind whereby we only exist via the eyes of somebody else, we need somebody's else mind to exist, then that would be the object relation model. And then we have heaven. Okay? Heaven is not paradise. And in many languages, there is a difference between heaven and between paradise. Okay? Very, very different things. And maybe paradise has to do with going back, so a restitution in the face of a loss. And one of the analytic theories of art is that art is a grief and mourning process. Je retraduirai ça en français. C'était en français que vous l'avez dit. Mais c'est justement la thèse de John Milton, Paradise Lost. Okay. Et plus tard, Paradise Regained. Okay, yeah. I'll stay with my field of analysis. And the other, the heaven, would be another way to negotiate death and loss and exile, which is reparation. It's not restitution, it's not going back in time, but it is reparative. So art being a reparative process in the sense that it is a representation. I cannot have what I lost, but I can reinvent it, I can recreate it in a different way so that I can subjectify it better, appropriate it better, and hope goes on, life goes on, faith goes on, and that's the reparative. You know, I lost, but I can love again and better, okay? That's the... So the reuniting with something versus having everything you want, everything you need, which is the paradise. Alors, ceci dit, je disais que Monsieur Fink, mon ami et collègue, et disait que qu'il voit le jardin, le paradis terrestre. Alors, moi, je dis le paradis terrestre est une conception du bonheur, est une conception du plaisir qui fait référence dans l'esprit humain à une conceptualisation de l'esprit humain, je me répète, qui est très freudienne, c'est-à-dire l'essence. Le paradis est un endroit où tous nos sens, sont satisfaits. On a tout ce qu'on veut au paradis. Tandis que le ciel est une autre conceptualisation de la même chose. Le principe du plaisir peut être aussi représenté par le ciel. Et dans plusieurs langues, il y a une différence entre le paradis et le ciel. On fait une différence entre le paradis et le ciel. Et le paradis étant l'endroit où on est en présence de ce qu'on aime. On est au ciel, en présence de ce qu'on aime. Alors, pour revenir à ce que je disais, les deux conceptions du plaisir se rattachent aussi à des façons de laquelle l'humain essaye de négocier la perte, essaye de négocier la mort, essaye de négocier la finalité. Et il y a peut-être une question de perte de finalité, pas seulement dans cette œuvre d'art, mais dans toutes les œuvres d'art. C'est un processus de deuil, et face au processus de deuil, on peut
demander la restitution, c'est-à-dire revenir en arrière et avoir ce qu'on a perdu. Ça, c'est la restitution, qui est illusoire, bien sûr. Ou bien la réparation, c'est-à-dire on passe du concret à l'abstrait. Et en passant du concret à l'abstrait, ce n'est pas une présentation, c'est une représentation. Et l'art est en général une représentation. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'unique, quelque chose de créatif, quelque chose de propre à la personne, à l'artiste même, parce que c'est un nouveau bébé, c'est une représentation de la réalité et non pas une présentation de la réalité. Alors c'est ça le côté réparateur, la réparation. Du moins, c'est le mot technique en psychanalyse. Alors, il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Non, moi, c'est plus un commentaire, c'est que je trouve que ça dépend par quel bout on le prend, dans le sens où monsieur, il percevait le côté jardin d'Éden, et peut-être, il voyait en premier la lumière. Et moi, j'aurais une perception du jardin d'Éden où c'est ça, au départ, c'était que création, que beauté, puis l'homme est arrivé, on allait vers la noirceur. Et moi, j'aurais plus vu dans cette œuvre-là l'inverse, dans l'autre bout. J'aurais vu ça plus que les tréfonds de l'âme, peut-être des choses un petit peu la noirceur qui s'exprime, comme on disait, peut-être une façon d'extérioriser ça, et l'émergence de la beauté au milieu de la noirceur de l'âme un petit peu là. C'est ça, c'est que je l'aurais vu moi personnellement dans l'autre sens. La pierre angulaire de mon approche dialogique et surtout dans mes recherches en sociologie de l'art est basée sur le philosophe français Merleau-Ponty qui disait « Chaque perception est une interprétation. » Et ce qui me fascine et ce qui enrichit le discours sur l'art, c'est que je vous assure, on n'a qu'une seule et même œuvre, mais j'en ai deux sens perception et deux sens interprétation différents. C'est donc dire à quel point l'art est un catalyseur pour l'imaginaire, pour la pensée et pour le tréfonds de soi-même. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre commentaire, parce que justement, si au lieu d'avoir ce magnifique tableau, on avait une équation mathématique, 2 plus 2 égale 4, on n'aurait pas eu cette discussion. Alors, on peut se demander quelle est la différence. Quelle est la différence entre la formule mathématique et cette œuvre? Quelle est la différence entre une œuvre commandée par l'État à la gloire de Mao et je ne sais pas moi, une chanson de Brel ou de Brassens? Okay? Ça va, mes exemples sont vieux, pardonnez-moi. Alors, c'est quoi la différence? Tout comme j'ai dit, c'est quoi la différence? Quand est-ce que cet objet utilitaire devient une œuvre d'art? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et cette réflexion vient d'un film que je vous recommande fortement, qui s'appelle The Square, et qui est un chef-d'œuvre chef-d'œuvre absolu. D'accord? Alors, il se peut que je me lève parce que je suis hystérique, d'accord? Et hyperactif, et je n'ai pas pris mon concert ce matin. Alors, plusieurs choses. D'abord, dans les commentaires du professeur, que le professeur connaît à lui, il y avait une lecture qui parle de l'art. D'accord? Bon. Moi, je me souviens d'un artiste, je ne me souviens pas du nom parce que je n'ai pas d'hypocampe, mais il y avait un artiste où c'était des cercles, et il fallait lire le tableau du centre et aller vers l'extérieur. Donc, il y avait ou bien de l'extérieur au centre. Je ne sais pas, mais on peut lire le tableau dans ce sens-là. On peut lire le tableau dans ce sens. On peut lire le tableau dans ce sens-là. On peut lire le tableau par rapport au visage ou à la représentation qui nous frappe le plus,
Par exemple, ce visage-là, cet œil noir-là, je ne sais pas qui lui a fait cet œil noir, hein. C'est pas l'artiste, en tout cas c'est quelqu'un dans le, c'est dans le narratif du tableau, et on peut à partir de là créer un narratif, créer une histoire, ok, avoir une, bon, et un roman peut être écrit, plusieurs romans peuvent être écrits, d'accord. Alors pourquoi, alors je veux partager avec vous un concept qui est très analytique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est imparfait. S'il était parfait, il n'y aurait rien à ajouter. Il n'y aurait rien à reprendre. C'est l'équation mathématique, elle est parfaite. Je veux remplacer le mot parfait par saturé. Si c'est saturé, c'est-à-dire si l'expérience de la chose est saturée, il n'y a rien à dire. C'est saturé. Moi, il n'y a pas besoin de moi pour être créé, pour être recréé. Mais c'est dans la mesure où le tableau n'est pas saturé qu'il devient œuvre seulement lorsque moi j'y ajoute quelque chose. À ce moment-là, ça devient une troisième chose qui ni l'artiste ni moi. C'est comme l'écrivain qui écrit un livre. Et puis il dit, bon, c'est son bébé, c'est son livre, mais une fois qu'il est publié, il n'y a plus de contrôle. C'est fini, il n'y a plus de contrôle. Et un bon livre, c'est un livre dans lequel le lecteur crée le livre en même temps qu'il le lit. Ça devient, il s'approprie le livre. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est de la dialogique basée sur le critique littéraire Michael Bakhtin, l'imaginaire dialogique. En fait, là où ça se passe, c'est entre l'imaginaire de l'auteur et l'imaginaire de celui ou celle qui lit. Exactement. Alors, donc, et c'est ça qui fait la fertilité d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui est... Qui dit ce qu'elle est supposée être, on ne peut rien ajouter, si on ajoute quelque chose, on va la changer, ben à ce moment-là, c'est un statement. Ce n'est plus une œuvre d'art. Et il y a des œuvres d'art qui sont des statements. Ben, enfin, on les appelle des œuvres d'art, mais they are statements. J'ai été à Pompidou, et à Pompidou, il y a plein d'œuvres, c'est un truc d'art moderne. J'étais aussi au Tate Museum de Londres qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Mais il y a un fameux tableau qui coûte des millions et des millions, qui s'appelle Monochrome Blanc. Je ne me souviens plus c'est qui l'auteur, peut-être vous vous souvenez c'est qui l'auteur. Je peux le retrouver. C'est un tableau blanc. Il n'y a pas de signe. C'est blanc sur blanc sur blanc, c'est blanc. Point final battant. Est-ce que c'est de là? Ça coûte des millions. C'est blanc. bon, it's a statement. Ou bien, parce qu'on veut être original, on peut tomber dans l'excès. Alors, il y a l'originalisme. Donc, c'est tellement original qu'on ne se retrouve pas, qu'on ne peut pas s'identifier au tableau. C'est plus... Et ça aussi, ça devient un statement. Ça devient un énoncé plutôt qu'un dialogue. Alors, mais on met tout dans l'art, hein? On met tout dans l'art, mais même l'art peut être abusé, même l'art peut être instrumentalisé. Mm-hmm. D'accord? Alors, il y a ça, comment est-ce qu'on lit un tableau et on a plusieurs interprétations du tableau, justement parce que on peut rentrer en relation avec. La psychanalyse contemporaine, c'est ça. Et il y a un mot pour le dire, techniquement, on appelle intersubjectivité. C'est-à-dire, ce n'est pas le maître Freud, puis il a compris, puis il y a la reconstruction, oui, ta mère t'a mal, je ne sais pas, t'a mal bercé quand tu étais bébé, puis c'est pour ça qu'à présent, tu as peur des tremblements de terre. N'importe quoi. Non, c'est pas ça. Cette reconstruction, ça ne veut rien dire. La psychanalyse, la beauté de la psychanalyse, c'est qu'il y a un espace qui est créé entre l'inconscient du patient et l'inconscient du psychanalyste,
un espace intermédiaire, un jeu. Je veux dire espace en français. Hein? Il y a un jeu. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est la mort. Parce qu'il y a du mouvement, ça fait partie de la sensorialité. Hein? Il y a un jeu, il y a un espace intermédiaire dans lequel la vie, une nouvelle vie peut prendre lieu. Donc il y a, c'est fertile. Parce qu'on peut y ajouter, on peut le transformer. Alors en Théa, pour justement approfondir vos commentaires et pour donner suite à ce que disait le docteur Samy, on parlait du paradis, on parlait du... Enfin, en français, on dit le paradis, le ciel, l'au-delà, en anglais, heaven, or paradise, or Eden. Mais voici une autre personne, exactement le même tableau, exactement les mêmes questions. Qu'est-ce qui vous frappe? Pourquoi? Et je vais vous le lire de façon anonyme. Ici, j'ai une vision de l'enfer. Plusieurs visages sont fixés dans des positions ou encore déformés et incorporés dans des formes allégoriques. Il y a bien aussi la face d'un ours rouge et le profil d'une roie noire. Les deux visages les plus marquants sont le profil bleu et le diable au bec crochu gris qui semble attraper une sphère rouge. Est-ce que la plupart de ces visages et de ces formes sont le produit de mon imagination? Est-ce que les neuf visages et formes d'animaux sont voulus par l'artiste? Les autres masses fluides semblent là que pour occuper des espaces libres. Par contre, certaines masses dérangent ma lecture. Ici aussi, c'est un peu déroutant. Les yeux vont un peu partout, sans avoir de point final pour se fixer. Donc, c'est un tableau tourmenté. Well, I like this intervention very much because the description that Professor Cornett just read to us, I heard it as a dream. Mm. Okay? This is a dream. This is the narrative dream. The person dreamt. He dreamt a dream. He woke up and said, okay, he drew his dream. Okay? So there is a story. And as a matter of fact, just before Professor Cornett, I said a narrative, okay? We're all stories, we're all narrative, all kinds of narratives, okay? And this is a narrative, except that it is a dream rather than it's told verbally in a sequence, like in a story. I dream this, you know? The other day, a patient, you know, for once, this person had a dream, okay, which is always like a small gift for the analyst, you know, except that it was so long, my hand was hurting because I had to write the dream and the dream was so long, a big, big narrative, a red fleuve from on la pen. Here, it's a one shot of the narrative, and it reminds me of paintings in India, where there is a hunter, but then there are several hunters and there are several tigers. And it is not abstract, it is more or less representative. And beautiful, but you know, I couldn't make sense of it until the person explained to me, the person in the gallery explained to me that
This is the story of the hunting. This is the king, and this is when they're there, and this is when, and the tiger went there, and then they shot him, and then finally, and the whole story, there was like a spiral or whatever, and the whole story was in one representation and support, you know. So, a dream. Meaning what? Meaning that these people, these faces, these personas or persons or images, whatever, have nothing to do with the reality. They have nothing to do with the reality. There are representations, again, symbolic of the inner world. Okay? And if I have to stick to the title, Les Loups, l'errance des loups, c'est ça? En guettant. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train d'éviter le guettement des loups, en guettant des loups. Les loups sont à l'intérieur. C'est-à-dire, on peut dire, je suis déjà en français ici, c'est-à-dire, je peux dire que tous ces visages-là, les beaux, les visages qui sont apeurants, les visages qui sont lumineux, les visages qui sont sombres, oui, il y a de la vie là-dedans et c'est troublant, mais c'est pas apaisant, c'est pas au clair de la lune, ce tableau-là. Hein? C'est plus du Wagner ou quelque chose comme ça. Hein? Alors, donc, et pas n'importe quel Wagner. Alors, donc, en regardant ce tableau-là, on peut dire que c'est là, encore une fois, mettre dans un langage sensoriel d'artiste, la peinture comme étant un langage de l'humain, le paysage du monde intérieur, de son inconscient. Et toute la question, moi qui j'ai enseigné 15 ans en thérapie par l'art, au niveau de la maîtrise à l'Université Concordia, j'ai enseigné l'introduction à la psychanalyse, toute la question c'est que si pour l'artiste, cela représente un travail thérapeutique. C'est-à-dire, si ça fait du bien à l'artiste de communiquer ça, est-ce que c'est important de le traduire en mots, oui ou non? Est-ce que c'est important de... Alors là, j'ai la fameuse... Ce fameux exemple, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, ça n'a absolument aucune espèce d'importance, où Beethoven est reçu dans une très belle soirée, et la comtesse lui dit, maestro, est-ce que vous pouvez jouer quelque chose pour nous? Et puis Beethoven s'assied au piano, puis fait une belle sonate, quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis tout le monde applaudit, puis tout le monde est absolument sidéré par la beauté du morceau de musique. Et puis la comtesse s'approche de Beethoven et lui dit, mais c'est magnifique, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Alors Beethoven lui dit, mais aucun problème madame. Il se rassit au piano, il rejoue le morceau, il dit, c'est ça ce que ça veut dire. Parce que s'il fallait le dire en mots, tu le tues, tu le décomposes, c'est fini, il n'existe plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il doit rester non saturé, il doit rester mystérieux. Il doit rester à être recréé, créé, recréé, et on doit tolérer, ce qui est une chose difficile dans notre société de ces jours-ci, l'infini, l'incertitude, l'incompréhension de ne pas savoir. C'est l'histoire d'un monsieur qui achète une magnifique œuvre de Hervé Pilon. Mais alors, quelque chose de magnifique qui lui a coûté des millions et des millions de dollars, soyez heureux, monsieur. Mais quelque chose de beaucoup plus abstrait. Beaucoup plus abstrait. Une magnifique grande œuvre. Puis très fier de cette œuvre-là. Puis il la met dans un endroit privilégié de la maison. Puis ses amis viennent, ils regardent l'œuvre. C'est absolument extraordinaire. Mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas. C'est quoi ça? Il veut analyser le tableau. Bon. Alors les amis viennent, lui dit, puis quelqu'un vient, lui dit, écoute, passe-moi le tableau quelques jours, je vais te faire une analyse complète de ton tableau. Et tu fais, ah oui, aucun problème.
Et il prend le tableau chez lui et une semaine plus tard, il reçoit une lettre. Il dit, bon, ton tableau, l'analyse de ton tableau, c'est qu'il est fait de 80% de H2O et 5,2% d'oxyde de zinc et 6,3% de plomb, etc., 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 etc. Et il a fait une analyse chimique du tableau. Ce qui est de tragique là-dedans, c'est que c'est vérifiable. Il n'y a aucune erreur. Et c'est vrai. Le tableau est composé de ça. On peut aller, on peut se mettre une ceinture d'explosif et aller se faire tuer en clamant cette vérité-là. C'est une vérité. Elle est vérifiable. Mais elle passe à côté complètement de la vérité du tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a toujours un risque à vouloir comprendre parce que l'esprit humain cherche le confort dans la certitude alors qu'il n'y a pas vraiment de certitude. Et si on pense avoir la certitude, c'est que ce n'est pas ça. Vous aviez dit quelque chose tout à l'heure, Dr. Samy, qu'il faut souligner. Vous parliez des loups et... puisque le titre, c'est en guettant les loups, et à force d'entendre ce que les gens ont écrit, vous avez soulevé l'idée que ces loups ne sont pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, au fond de l'artiste lui-même. Eh bien, l'écrivain français Chateaubriand avait écrit une œuvre qui fait date en littérature française, « Mémoire d'outre-tombe ». Je vous ai lu ce que les gens ont écrit sur l'œuvre de Herdy Pilon, mais on a une occasion en or, c'est que, croyez-le ou non, Herdy Pilon lui-même a écrit au verso de cette toile ce que les loups représentaient. Et j'invite son fils à nous lire à haute voix ce qui est écrit au verso de la toile. J'ai découvert ce texte hier quand je suis allé chercher la toile à l'entrepôt. Donc, il a écrit « Les loups sont toujours ailleurs. Lorsqu'ils sont partout, c'est qu'ils habitent notre cœur. » Quand on parle d'une approche dialogique, cette personne dont je viens de lire le texte ne sait pas que c'est Herdy Pilon, ne sait pas que le titre c'est « En guettant les loups » et cette personne sait encore moins que l'artiste lui-même a écrit au verso « Les loups sont dans le cœur même ». Or, c'est ce que moi j'appelle le dialogue. Parce que la réalité, finalement, c'est toujours une perception, et donc la réalité, c'est toujours une projection. Et on voit ce qui est à l'intérieur de nous. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que toute œuvre d'art est un miroir. Et dans la mesure où on peut interpréter l'œuvre d'art, ben à ce moment-là, on reflète. D'accord, c'est ça la réflexion. Hein? On se reflète dans l'œuvre d'art et donc l'œuvre d'art est un miroir. C'est intéressant qu'il y a des gens, il y a une maladie mentale, un symptôme de maladie mentale, où les gens sont incapables de se voir. Donc ils peuvent être devant un miroir, ils ne se voient pas. C'est comme si l'inconscient était aveugle et c'est comme s'ils n'ont plus accès à ce qui est au fond d'eux pour pouvoir regarder la réalité, pour pouvoir rentrer en relation avec leur perception de la réalité. Ce symptôme s'appelle une otoscopie négative, negative otoscopie, c'est-à-dire c'est un symptôme qui peut exister, surtout chez les schizophrènes, ils peuvent être devant un miroir, ils ne se voient pas. Et il y a
des gens qui sont tout aussi schizophrènes, qui peuvent être présidents des États-Unis et qui se voient partout. Alors, ça, ça s'appelle positive otoscopy, c'est-à-dire ils ne voient qu'eux-mêmes. Et donc, tous les autres sont comme une extension d'eux, ils ne se voient qu'eux-mêmes dans le tous les autres, et donc l'autre n'existe pas vraiment. Et ça, c'est un positive otoscopy. Mais c'est la force de l'inconscient. Hein? C'est la force de l'inconscient. Alors, je veux donner l'exemple le plus simple, mesdames et messieurs, de l'inconscient. D'accord? Nous sommes venus ici, nous sommes ici. On passe une soirée agréable, on passe une soirée, j'espère, stimulante, avec monsieur professeur Cornette, qui, chaque fois que je dis quelque chose d'original, me dit que quelqu'un d'autre a écrit là-dessus, il me fait partie du nom. Alors, ça c'est pour l'humour. Non, non, c'est pour dire que c'est plaisant, c'est agréable. En belle compagnie, une belle toile, on n'est pas inquiet. On n'est pas dans une zone de guerre. On est bien ensemble. Il y a une genre de fraternité où il y a au moins un esprit commun de on est tous ici parce qu'on apprécie l'art, ou on est tous ici parce qu'on apprécie la réflexion sur l'art ou la psychiatrie ou la psychanalyse. D'accord? Où est-ce que ça vient? Ça vient de l'enfance. Pourquoi ça vient de l'enfance? Parce que c'est dans l'enfance qu'on a appris que, après tout, le monde dans lequel on vit n'est pas aussi dangereux. D'accord? C'est basic trust. C'est-à-dire la confiance première de l'enfant qui crie parce que, bon, il a faim, mais qui sait ou qui va apprendre ou qui va éventuellement savoir que maman reviendra. Et donc, finalement, c'est pas si pire de naître dans ce monde. D'accord? Bien que, comme dirait un philosophe français, il est préférable de naître le plus tard possible. Mais je ne sais pas quand. Bon. Alors, ce basic trust qu'on n'a pas... Je dis ça parce que c'est en train de partir, c'est en train de... Bon, une cathédrale peut brûler, il n'y a plus rien de sûr, un terroriste peut rentrer et on est dans un monde où on a perdu nos repères et où on est dans un mode existentiel, où on est tout le temps dans un mode de survie, où on est dans un mode de l'immédiat et on est dans un mode d'incertitude et puis chacun essaie de composer avec ça le mieux qu'il peut. D'accord? Mais à ce moment-là, c'est un choix qu'il faut faire, même contre toute rationalité, de préférer vivre dans un monde sûr, de préférer vivre dans un monde où on va projeter l'optimisme, ou bien avoir le pessimisme, et le pessimisme comme ça, c'est mon monde intérieur, qui aussi compose dans une dualité, parce que tout est dualité. C'est plein de dualité ici. Ça, moi, je rebaptiserai cette toile dualité. Hein? Bon. Alors, de faire le choix qu'il vaut mieux faire confiance que de tomber dans le désespoir. Et qu'il vaut mieux faire confiance en l'autre plutôt que de supposer que toute autre personne est dangereuse à moins de prouver le contraire. Est-ce que je veux dire? Voilà ce que quelqu'un d'autre a écrit. What strikes you? Why? So, as I calmly regard the canvas, I notice many faces in profile and a mask-like one. Faces bearing emotions that range from pensive to blankly depressed to horrified. I see a variety of shapes in earth colors, maybe a tree, and the elements
water, fire. In the upper left, I see a kind of optical illusion of opposing silhouettes. One facing left seems angry, red in the open mouth. But its counter image is a clownish blue silhouette wearing sunglasses. And laughing at the sorrowful faces, the anger, the variety of shapes of human emotion. Emotions have movements. Emotion. E has nothing to do with computers, by the way, here. Okay? This is before computers. E means out, okay? And motion is movement. So emotion is what we express, you know, from, but emotion comes from movement. So what is emotions? Emotions are colors. Emotions are all kinds of sensoriality, again, from the analytic point of view. But emotions are also people. My mother is an emotion. My child is an emotion. Each patient carries an emotion. But emotions are also faces. And if you are into computers, which is not my case, I think there is something called emoji. Emojis? Emojis, okay. You just found out. As being a native. So emotive, and they are what? They are faces. Okay? Now, I'm going to stand up again because I'm hysterical, I told you. Faces is the first landscape. Okay? In other words, when the child is born, at least in one of the theories by Mesmer, is that the face of the mother is the first landscape. Okay? And every landscape ever after represents also a person, represents also the mother. Les collines, les montagnes, les rivières, the source, and so on and so forth. We really want to be very analytic. We can go back to the experience of the child with the mother as a landscape. Okay? The mythe, je pense, c'est le mythe de Bobby, B-A-U-B-I, where the face represents the totality of the body of the mother. Okay, the eyes are the breasts, and the mouth is the vagina, and the face represents the totality. So we are left with this imprint, you know. C'est ça la source. We're left with this imprint. Now, I feel small like that and almost apologetic to talk about that because it's like deconstructing something that is sacred, which is the art. You know, I say, if we describe it, we take away something from it, you know? And it was a big debate in art therapy, like, you know, when the child makes a big drawing and so on, do you then say, okay, and what comes to your mind? Or do you just leave it at that, and just the production of the art itself will be processed by the child and will become like therapeutic, like making a change. The point made here, ladies and gentlemen, the only one I think of value is how this does not emerge from an instruction, from something that you learn outside, but emerges from within yourself, from your unconscious. Whether we are aware of it, whether we name it,
whether we want to describe it, analyze it or not. Okay? I am not totally against the destruction, because if I have a beautiful piece of bread, hot and smelly, and you know, I'm not hungry, by the way. Well, the only way I can turn that bread into energy, into the words that I'm saying, into the thoughts that I'm having, into the work that I'm going to be doing, is to destroy it, is to eat it, is to decompose it, is to make it mine. Okay? So we do this with the artwork, but again, in the spirit of the duality, the artwork stays for other people to do the same thing. Now, the artist gives himself in sacrifice. L'artiste se donne en sacrifice. Okay? Et les artistes qui sont dans la performance, je ne sais pas, moi, les acteurs, les chanteurs, il est l'outil de son œuvre, il est le produit de son œuvre, il est l'artisan de son œuvre. Il se donne en sacrifice. Le peintre se met à nu parce qu'il s'abandonne. Il frôle la folie, mais une folie maîtrisée. On appelle ça la régression. C'est-à-dire, il faut un laisser-aller, parce que sans laisser-aller, on ne peut pas avoir de l'âme. On va rentrer dans les mathématiques, encore une fois, il est mieux d'être comptable. Là, on est bien régimenté, il ne faut surtout pas se laisser aller si on est comptable. Hein? Il faut suivre. Mais l'artiste fait un saut dans le vide. Et dans ce saut, le vide, des fois, sa main prend le dessus et ça devient... c'est comme les écrivains qui, à un moment donné, c'est le caractère qui continue à écrire et lui, il n'y a plus de contrôle sur le caractère et je ne me souviens plus c'est qui. Le grand écrivain qui, à sa mort, disait « Apportez-moi tel médecin » qui était un des caractères de ses romans. Quel médecin qui n'a jamais existé, je ne me souviens plus c'est qui. Mais parce qu'ils prennent une vie d'eux-mêmes, hein? C'est une vie à soi. Alors, il y a ce saut dans le vide, il y a ce laisser-aller, il y a cet abandon qui est absolument extraordinaire, qui est un risque absolument extraordinaire, parce que c'est une façon de frôler les horizons de son être, l'extrême de son être, l'inconscient, encore une fois, la régression totale, retourner à la source de soi, la folie, flirter avec la folie, hein, flirter avec la folie tout en étant en maîtrise, parce qu'autrement, ça devient de l'art psychotique. Puis visiter dernièrement, donc ça vient. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et ce que je trouve par rapport à l'inconscient, c'est que le rapport de l'artiste avec son œuvre. Alors, il y a des artistes qui sont très connus, et donc le acknowledgement, la reconnaissance du public, etc., que ce soit dans le domaine des arts visuels ou dans le domaine de la performance, etc., ou de la danse, ou quoi que ce soit. Alors, il y a des artistes qui ne vont exister que par, justement, la reconnaissance publique qu'ils vont avoir, mais il y a aussi des artistes qui sont reclus. Il y a des artistes qui vivent de leur art et qui sont tout à fait reclus et qui ont un rapport avec leur art qui est tout à fait différent. Et ça dans toutes les disciplines. Ce n'est qu'après sa mort qu'on a découvert toutes les lettres Emily Dickinson. Et puis là, on s'est rendu. Elle avait construit un univers en parole. Oui. Je vais partager quelqu'un d'autre, même processus, même image, and here's what they wrote. Same image, same questions. On opening up the PDF, what first struck me was a sense of being under water and swimming past seaweeds. This was most likely due to verticality,
and the waviness of the elements within the painting, in spite of the color palette not being a marine one. That was then followed by seeing the faces. Interestingly, while the colors tend to be neutral or somewhat uplifting, the facial elements tend to be solemn and forlorn, which suppresses or mutes the joy that this image might bring to its viewer. So the unconscious is underwater, okay? And we all were fish once upon a time. And there is a famous analyst who wrote a book called Thalassa, and he says this imprint of us having been fish never left our unconscious, never left our unconscious. So we carry the totality of the biological evolution. Mais comme dit Bucard, on vient tous d'une mer intérieure. Hein? On vient tous d'une mer intérieure. On vient tous d'un utérus. On a tous nagé. Et c'est intéressant, je disais dernièrement à une amie qui vient d'avoir un bébé, que le bébé à la naissance, il a le réflexe de la nage à la naissance. Et ensuite, on le perd, et ensuite, on a peur de l'eau, et ensuite, il faut apprendre à nager, et puis bon, et c'est bien beau. Mais au départ, on a nagé dans la mer. All right, which goes back to the unconscious, but it adds to the sensoriality, because the sensoriality I learn with fascination that it is infinite. It's you know, like the fluidity. I talked about warmth and gravity and light and this and that. Fluidity is again something sensorial. There is no fluidity in mathematics, okay? It's sensorial, quelque chose de fluide, quelque chose de solide, you know? So, this is beautiful. Again, it is the unconscious. We all have an unconscious, contrary to what Freud believed, actually, you know? He created the language of analysis, but a lot of what he said, we need to forget. So Freud thought that the unconscious is against us, you know, that, you know, we, so the unconscious is not against us. It wouldn't make sense. It wouldn't make sense. We wouldn't have survived, okay? The unconscious is not against us. If we live to our unconscious, we'll all be savages. So, you know, so we needed the id and the superego, we needed the ego and the superego, and we need analysis to get rid of the son of a bitch of the superego for the rest of our lives. Excuse my language, it's getting late. But, you know, he was wrong, like about many things. He was wrong because, you know, the unconscious is a dimension of who we are and is at the source of everything, of how we perceive the world and how we react to the world. It's the source of our representations of ourselves and the representations of others and the relationships. And this is what we're talking about. All these people were like, they are like dreams, they are like fragments, okay? I would not dare, of course, make the analysis, that I wouldn't dare to make the analysis of, and it would be applied analysis, okay? But there is something, I would say, an amazing piece of humanity. Point final bâton. There is an amazing interiority. There is an amazing three-dimensionality. Cet homme-là, il n'était pas plat. You know, that's, you know, that he has this dialogue, inner dialogue, vibrant, immense, complex. It's an amazing piece of humanity. And some people, I happen to have many artists in analysis, and they are afraid that analysis will take away from them.
the art. Like, you know, like, you know, whoever would have attempted to analyze Beethoven, I think should be, you know, executed in public before he does that. And I don't care if Beethoven suffers, but give me his music, you know? Some people need to suffer. I don't care, you know? I don't believe in happiness anyway, you know? Please don't analyze him. Give me the music. Give me the Seventh Symphony. Give me the Ninth Symphony. I don't care. Don't treat his deafness, you know? Give me the beauty. You know what I mean? It's a bit selfish, but, you know, you understand what I mean. I'm actually a religious studies scholar, and in that vein for the doctorate, studied Hebrew and the Psalms of the Hebrew scriptures. The Psalms are actually songs. And in one of the Psalms, it's written, deep calls unto deep at the sound of thy waters. And what we do in these dialogic encounters is create a space where the depth of the artist can engage the depth of the viewer. Now, Dr. Sammy has no, he's never seen anything I've read, nothing. And here is what another person wrote. And think of what you just stated about three-dimensionality. Ce qui me frappe avant tout, c'est cette juxtaposition de formes tridimensionnelles à des aplats de couleurs sombres ou lumineux, créant des espaces à la fois mystérieux et caverneux. Les formes ainsi placées nous invitent à danser avec elles tout autour d'elles. On pourrait l'intituler la danse du feu ou le grand bal vénitien. Alors, il y a une théorie qui veut que les humains se reconnaissent, qu'un humain reconnaît l'humain. Et le visage, c'est... Vous avez tellement raison, monsieur, tellement, tellement raison. Je veux parler d'une expérience personnelle. Je suis tombé totalement amoureux d'une peinture, d'une autre peintre, Madame Sonia Indelicato Rosval. J'ai eu une réaction biologique, parce que la beauté est une réaction biologique. La réaction à la beauté, c'est physiologique. C'est pas dans l'esprit, on le sent dans le corps. Et c'est un paysage, mais moi je voyais un visage là-dedans. On cherche inconsciemment, on cherche des visages. Moi je voyais un visage. Et je voyais un petit monstre. Je disais, non, je ne veux pas vivre avec ce monstre-là. Puis je suis retourné voir, puis j'ai eu la même réaction. Puis je dis, non, je vais apprivoiser le monstre. Et puis j'ai acheté la peinture. Et je suis très content. Alors, on a en psychanalyse d'enfants, parce que les enfants peuvent être psychanalystes. Et moi, je suis psychanalyste d'enfants. Il y en a très peu au Canada. Je suis psychanalyste d'enfants. Et la Fondation Aquarium, vous pouvez aller sur le site, il est en construction. La Fondation Aquarium, c'est pour apporter la psychanalyse au monde d'aujourd'hui, parce que le monde d'aujourd'hui a besoin de reconnecter avec le monde intérieur. Et les enfants peuvent être psychanalystes, aussi jeunes que 2-3 ans peuvent avoir une psychanalyse. Puis c'est très beau, parce que c'est un espace de rencontre, c'est un espace de jeu, c'est un espace d'intériorité, c'est un espace d'écoute. C'est un espace où l'enfant n'est pas scripté, n'est pas colonisé par tous les... et n'est pas surstimulé par tous les écrans qui l'entourent. Un espace où l'enfant peut jouer. Et une des techniques de la psychanalyse de l'enfant, on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français, on appelle ça squiggle. Squiggle, c'est-à-dire, je fais n'importe quoi, une barbouille, et je demande à l'enfant de compléter le dessin.
et puis on jase. Raconte-moi une histoire, ou bien peut-être même pas raconte-moi une histoire, je vais laisser. Et dans 90% du temps, quel que soit le barbouillage que je vais faire, l'enfant va le transformer en visage. Il va mettre deux yeux, un truc, il va trouver un œil. Inconsciemment, on reproduit des visages. Inconsciemment, on cherche des visages. Le visage, c'est très important. Et il y a dans le mot visage, il y a le mot vie, il y a le mot sage, et il y a le tout, qui est le visage. Le visage, c'est le miroir de l'âme. Mais le visage, c'est le premier contact qu'on a avec le monde. C'est le visage de la mère. Hein? Et de là vient la notion de beauté, cet émerveillement. L'enfant a la capacité de s'émerveiller. Et c'est de là que ça vient, du visage. Et donc, notre rapport au visage est extrêmement important. Extrêmement important. Je vous avais dit tout à l'heure que j'ai fait le doctorat en sciences des religions, donc les écritures hébraïques. Le tout premier livre, c'est la Genèse. On aimerait vous montrer maintenant la Genèse de cette toile, parce qu'il y a une œuvre qui l'a précédée. Si vous voulez bien nous le montrer, Monsieur Noli. C'est du même format. Et ça a été peint un mois avant celle-là. Et je vais la montrer. Ça s'appelle Jeune musicienne. Et où le visage est justement prédominant, c'est le paradigme pour En guettant les loups. Mais à ce moment-là, En guettant les loups, il n'y a plus la même. Quand vous mettez l'œuvre La jeune musicienne à côté d'En guettant les loups, c'est comme un diptyque, on dirait qu'En guettant les loups n'a plus la même, le même sens, n'a plus la même sensation. Il est comme adouci par l'œuvre de La jeune musicienne. Parce que moi, je trouvais qu'En guettant les loups, même avant de savoir le titre, je trouvais ça agressif comme, comme mouvement. Mais là, c'est comme plus une quête de focus, d'attention. C'est vraiment différent. On est toujours dans les mêmes tons, mêmes couleurs, un esprit semblable. Le regard est dirigé toujours avec le même angle. Le visage aussi, et puis c'est vraiment différent. Ça l'adoucit tout. Alors ça, c'est fascinant, absolument fascinant, et j'aimerais vous remercier, madame. Parce que quand on n'a pas ça, l'unité perceptuelle, c'est ça. Et donc l'unité psychologique, c'est ça. D'accord? Quand on a ça, tout à coup, l'unité perceptuelle n'est plus ça plus ça. L'unité perceptuelle, c'est la combinaison des deux, c'est pas l'addition des deux. D'accord? Et ça change tout. Ça change tout. Et je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Est-ce que le loup l'a mangé? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est... là, les loups étaient plus loin et le marchand de sable, en jouant de la musique, il a éloigné les loups. Et là, ouch, sa lyre est perdue. Et puis, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est une autre histoire. Et ça, c'est fascinant. Parce que dans la théorie analytique, justement, là, on est un groupe. Si une autre personne vient, c'est plus le même groupe. Alors, il y a papa, maman, l'enfant, c'est une unité psychologique. Et là encore, Freud avait tort, parce que l'enfant est un individu, il a son inconscient, puis les parents, bon, c'est pour lui donner à manger. Mais non, c'est pas un poisson avec d'autres poissons qui le protègent, avec qui il est en rivalité. L'enfant est un poisson dans un aquarium. Et si
quelque chose change, la moindre chose, un petit frère, une petite sœur, un grand frère, une petite, n'importe quel changement dans un aquarium, c'est plus le même aquarium. D'où le titre de la fondation. D'où le titre de la fondation. C'est plus le même groupe. C'est génétiquement. Alors, il y a... Pardon? L'enfant est... Mais l'enfant est aussi au niveau du ressenti, parce que l'enfant, avant de maîtriser la parole, le dialogue, de comprendre, il est dans le ressenti. Il ressent ce qui se passe à l'endroit. L'enfant fait partie de l'ensemble. Il fait partie de l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, nous, on parle de l'environnement, comme si l'environnement était quelque chose à l'extérieur de nous. Mais nous, on est fait de 80% d'eau. Et le reste, c'est ce qu'on mange. Et donc, on est l'environnement duquel on parle. Et c'est un truc de notre esprit, c'est un it's a trick of the mind. On se fait croire que nous, face à l'environnement, on est l'environnement. Et on est l'environnement de l'autre, tout comme vous êtes mon environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et donc, cette notion-là, elle est organique. Pourquoi organique? Parce que c'est ça la molécule. Une molécule, si je vous faisais un truc chimique, d'accord, je ne sais pas, une formule chimique, vous souvenez de votre formule chimique de votre quatrième année ou cinquième année? Non, moi non plus. Alors, de toute façon, la chimie est une erreur de la création. Alors, mais il y a les formules chimiques, organiques. Si vous changez n'importe quel élément, ce n'est plus la même molécule. C'est une molécule différente. On a changé, vous voyez, donc c'est organique. C'est exactement la même chose pour l'humain. Il y a deux axes qui constituent notre développement. L'un, c'est l'axe spiral. On ne retourne pas vraiment dans l'enfance, mais on est constamment en exil ou en exode. L'humain est toujours entre l'exil et l'exode de ce qu'il a perdu, de notre enfance. On retourne dans des formes plus hautes d'abstraction, c'est-à-dire de représentation mentale. Ça, c'est sublime pour l'artiste. Ça, c'est un axe de développement. C'est-à-dire qu'on arrive au point où on est le plus mature possible, le plus ensemble possible, le plus au sommet, et ensuite, on tombe, on est tout à fait à la queue, et ensuite on devient le meilleur vieux possible, et ensuite on devient le meilleur sénile possible. Alors, et c'est une spirale, là je parle de là où je suis rendu, d'accord? Donc ça c'est la spirale, mais aussi il y a la question moléculaire, c'est-à-dire l'ensemble du vécu, de mon vécu. Parce que mon vécu aussi change. Hein, Alors là, à ce moment-là, heureusement ou malheureusement, il y a quelque chose qui va se passer sans même qu'on se rende compte, c'est qu'on va vouloir automatiquement mettre cette œuvre-là dans un continu des autres œuvres. C'est-à-dire en fonction de ce qui vient avant, de ce qui vient après, dans une continuité, et cette œuvre aura perdu quelque chose, encore une fois, heureusement ou malheureusement, mais c'est une autre dimension de ce qu'elle est si elle est toute seule. D'accord? Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on a complètement perdu la notion de ce que c'est un enfant. L'enfant comme quelque chose en soi, et non pas quelque chose comme nécessairement dans un concept développemental. L'enfant, c'est bon, il va grandir, il va devenir plus autonome, il n'a pas d'autonomie, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela, il n'a pas encore appris ceci, il n'a pas appris, bon, il faut aller à l'école, etc. Et on voit l'enfant en fonction de son devenir ou en fonction de notre façon de réfléchir à l'enfant, qui est déjà une façon adultomorphe, c'est-à-dire on le voit en tant que petit adulte ou adulte imparfait, et non pas comme une espèce en soi. Vous voyez, ce qui est très difficile. C'est un exercice de pensée que je suis en train de faire avec vous. Donc, ça veut dire que l'écoute qu'on peut avoir face à un enfant doit être une écoute hors de préjugés, parce que si on voit l'enfant comme un petit adulte ou un adulte ou incomplet. Vous savez ce que Darwin a fait? Vous connaissez Darwin? Oui, un petit peu. Alors, Darwin, son fils, je pense que c'était William. Son fils William, nouveau-né,
Alors Darwin, c'est un grand scientifique, et il a dit, ah, à la naissance, le premier instant de la naissance, il a dit, je vais étudier ce nouveau-né comme une espèce étrange de laquelle on ne connaît rien, et je vais faire l'observation de cette espèce étrange. Donc, en dehors de toute projection, en dehors de tout préjugé, comme vous dites, en dehors de tout, 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 il a pris des notes, des notes, des notes, des notes, et il a publié ça dans la revue Mind, d'accord, de ses observations de l'enfant. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est un peu illusoire, parce qu'on ne peut pas faire ça, bien sûr, dans l'absolu, mais c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'appelle un vécu infantile qui est un univers en soi. Et que l'enfant est quelqu'un qui vit dans un univers qui s'appelle l'enfance. Pourquoi ? Parce que dans notre société, on les arrache de leur enfance, même à la naissance, on le voit déjà dans 6 432 jours, ce serait un retraité. Hein? Et on arrache les enfants, on les donne à la société un peu trop vite, on leur dit comment ils doivent être, etc. On les scripte, on les colonise, on fait d'eux des individus qui ont des droits de l'homme et des droits de la personne à l'âge de 3 ans. Le petit qui dit tu as promis, etc. Puis tout est négociation, et on perd le sens de ce que c'est un enfant. On instrumentalise. Mais dans notre société, même l'adulte est aussi, à quelque part, déshumanisé. Tout à fait. Le papier que j'ai écrit pour expliquer la fondation au public en général s'appelle « Je ne suis pas un robot ». Ouais, c'est ça. « I am not a robot ». Donc, est-ce que ça veut dire que l'adulte fait des gens de problème? Et j'aurais pu dire « Tick the box, I'm not a robot ». Est-ce que ça veut dire que l'adulte, face à l'enfant, fait une espèce de projection, dans le sens qu'il voit l'enfant comme... quelque chose c'est inévitable qu'on va projeter sur l'enfant, mais d'un autre côté, il faut en tout temps, comme parent, garder une image de l'enfant comme étant une personne en soi, qui a son existence. Il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on puisse donner à nos enfants que la liberté. Mais l'adulte est aussi un enfant. Tous étaient des enfants, un enfant à l'intérieur de nous. Ouais. Pour revenir au tableau, je vois le premier tableau de gauche comme étant l'enfant. C'est la jeune musicienne, il y a beaucoup plus de tranquillité, de naïveté, je pourrais dire, peut-être dans ce tableau, alors que... bon, je vois du temps entre les deux tableaux, et cet enfant devient un adulte qui doute et qui a peur, peut-être. Ici. Oui, dans l'autre tableau. Alors, je vous remercie énormément, et bien sûr, vous avez un accès privilégié à l'inconscient de l'artiste. Encore, il n'y a pas de... n'est-ce pas? Mais... ça, c'est vraiment ma propre folie, d'accord? Ce tableau m'incite à me concentrer, d'accord? Parce que ce tableau, effectivement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements, qu'il y a beaucoup de couleurs, les couleurs éclatantes, etc. Et j'ai besoin de l'apprivoiser, j'ai besoin de le métaboliser, j'ai besoin de le métaphoriser, Bon, alors, pour qu'il y ait fertilité avec ce tableau, c'est-à-dire pour que ce tableau soit quelque chose pour moi, il m'incite à me concentrer. D'accord? Alors, je me concentre, je dis, ah, ça c'est un œil, il y a un œil. Il m'incite à découvrir des choses là-dedans. Et je me pose la question, c'est quoi le contraire de la concentration? Le contraire de la concentration, tout comme le contraire de n'importe quoi, il n'y en a pas un, il y a des centaines de contraires. Et un des contraires de la concentration, c'est l'éveil. Ce n'est pas la distraction. L'accident. C'est l'éveil. Non, c'est l'éveil.
C'est comme lorsqu'on fait du tai chi, il ne faut pas se concentrer, mais il ne faut pas non plus être endormi. Il y a un état d'éveil. Un état d'éveil, la méditation, il y a un état d'éveil, c'est-à-dire un état de réceptivité passive. En parlant des artistes dans la littérature, on parle beaucoup de réceptivité passive, ce qui fait peur. Parce que réceptivité passive, non, dans moi une formule mathématique, là, un tweet de Trump, là je... Bon. Mais l'éveil, bon. Là, c'est pas de la concentration, c'est comme, elle est comme méditative devant la musique. Pour moi, c'est encore une fois, c'est très subjectif. Je vois un état de méditation dans ses yeux, je vois un état d'éveil dans ses yeux, un état d'attente dans ses yeux. Alors que là, les choses se passent. Les loups sont quelque part. Là, les loups sont partout. Hein? Les loups sont... Ils sont peut-être invisibles ici. Là, les loups sont partout. Ils sont partout, pourquoi? Parce qu'ils sont dedans. Si, vous voyez ce que je veux dire? Et, mais j'aime beaucoup ce que vous venez de dire par rapport à l'enfant. Il n'y a rien de plus triste qu'un adulte qui a perdu son enfance ou qui n'en a jamais eu. Rien n'est plus triste. Par rapport au premier tableau, le tout premier, c'est que, et vous avez vous-même soulevé la question, où est le centre de ce tableau-là? Et je vois qu'à chaque fois que je regarde le tableau, mes yeux font une piste ailleurs, une piste différente, chaque fois. Et c'est voulu, la part de l'artiste, je crois. Il n'y a pas de vrai centre, comme dans l'autre. C'est plutôt une errance ou une danse oculaire. Alors, pourquoi? Pourquoi a-t-il voulu ne pas nous donner un centre de concentration? Et je crois que les autres questions qu'on a posées sont très à propos. Question d'enfance, question de projection, question d'essayer de trouver quelques raisonnements dans notre vie, etc. Deuxième question, et ça c'est paru sur les lumières ici, et non pas dans l'autre image, c'est que les couleurs, il y a toutes les couleurs de la palette là-dedans, et beaucoup de gens ont reconnu qu'il y avait des couleurs sombres, mais quand on la voit sous la lumière intense, on voit que les couleurs sont de terre, les couleurs sont riches et fécondes. C'est pas nécessairement l'ombre de l'enfer, etc. Ça peut l'être, oui, d'accord. Mais il y a comme des contradictions ou des paradoxes. Des interprétations différentes que l'artiste lui-même a voulu mettre en mettant tant de couleurs différentes. Troisièmement, la déchirure à gauche, l'explosion du feu à droite, on voit que ce son-là comme des éléments explosifs, et pourtant quand on voit comment l'artiste les a peints, s'en peint avec une brosse très fine, très voulue, très concentrée. Alors, il y a comme, je dirais, une dissonance cognitive inhérente. Et je crois que l'artiste lui-même était en train, en quelque sorte, d'imager cette dissonance. Il faut se retenir de donner des noms, d'interpréter définitivement, plutôt de garder tout en suspens, continuer de réinterpréter. Je ne sais pas. Je pose des questions. Qui sommes-nous dans l'univers? Alors, durant des millénaires et des millénaires, notre vision a été géocentrique. C'est-à-dire que nous sommes au centre de l'univers parce que nous portons Dieu en nous, n'est-ce pas? Donc, c'est nous le centre de l'univers. Et la Terre est le centre de l'univers, et le Soleil tourne autour de la Terre.
Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Ça a du bon sens. Parce que le soleil, je le vois, il tourne autour de la Terre. D'accord? Ça a pris des millénaires pour que cette vérité empirique devienne un fake news, n'est-ce pas? Et qu'on nous prouve contre toute expérience empirique que non, nous sommes la planète Terre héliocentrique et non pas géocentrique. D'accord? C'est-à-dire que c'est le soleil. Excuse-moi, voilà, vous voyez la difficulté, n'est-ce pas? Héliocentrique et non pas géocentrique. C'est-à-dire que c'est la Terre qui tourne et puis le soleil est au centre et ce n'est pas le soleil qui tourne autour de nous. Alors, la vision de l'individu, est-ce que le monde tourne autour de nous? C'est ça notre perception, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que c'est héliocentrique, c'est-à-dire au fond, on est tout ce que l'expérience nous fait, on est toutes les personnes qu'on a rencontrées, on est toutes les expériences passées, etc., telles que transformées, digérées par nous. D'accord? Mais de plus en plus, on se rend compte que même l'héliocentricité, c'est un fake news. Parce que c'est juste dans notre galaxie, et notre galaxie, c'est une galaxie, parmi des millions qui, dans notre système, et il y a plusieurs systèmes, et il y a des milliards de systèmes, etc., 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 et que mathématiquement parlant, on peut dire de façon absolue qu'il y a de la vie ailleurs. Hein? Mathématiquement parlant, c'est ce que les gens pensent, que, bon, avec le nombre des milliards de planètes, c'est certain qu'il y en aura une qui aurait les mêmes conditions que la planète Terre où l'atmosphère permettrait l'écroisement de la vie. D'accord? Quelle forme de vie, je ne sais pas, j'en ai assez de la mienne, mais peut-être une autre forme de vie. D'accord? Alors, on peut repenser à la même chose quand on regarde les tableaux. Est-ce qu'on va le voir de façon géocentrique? Est-ce qu'on va le voir de façon héliocentrique? Ou bien est-ce qu'on va décider de le voir de façon acentrique? C'est-à-dire exo-excentrique. C'est-à-dire sans centre, nécessairement. Le problème, c'est que on a besoin de se conforter, on a besoin de calmer notre esprit, on a besoin de certitude, on a besoin de safety, d'accord? Et je vais vous laisser avec cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui cherche sous un lampadaire, il cherche, il a perdu sa montre, et il cherche sa montre sous le lampadaire, et puis un policier commence à devenir suspect, puis il va le voir, il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il dit, j'ai perdu ma montre. Il cherche avec lui, il dit, mais monsieur, il n'y a pas de montre ici. Le monsieur lui dit, je sais, je l'ai perdue là-bas, mais ici, il y a de la lumière. Alors, notre esprit, inconsciemment, cherche là où il y a une réponse. Hein? On va une réponse. Il est tombé malade parce qu'il a mangé une banane. Ça n'a rien à faire maintenant avec la... Non, je sais que c'est parce qu'il a mangé une banane. Parce qu'on est mieux de se faire accroire une croyance plutôt que de dire « je ne sais pas ». Hein? Alors, on cherche un sens, on cherche une explication, on cherche... Mais finalement, ça nous dépasse. Tout comme l'enfance nous dépasse. Tout comme notre existence nous dépasse. Tout comme la vie nous dépasse, on pense que la vie est quelque chose qu'on possède. Non, c'est la vie qui nous possède, c'est pas nous qui possédons la vie. La vie a existé avant nous, elle va exister après nous, et nous on la transmet, on est de passage, c'est une générativité, on la transmet, c'est pas une qualité, c'est pas quelque chose. Alors, on cherche dans des solutions, on cherche dans les mathématiques. J'ai rien contre les mathématiques, j'adore les mathématiques. C'est ça qui m'a amené en psychanalyste. Mais je donne ça comme exemple, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a quelque chose
de sacré, de sacré, c'est-à-dire d'indicible, quelque chose qu'on ne peut pas réduire en mots et qu'il faut qu'il reste mystérieux. Et sans le sacré, ben je m'excuse, on est de robots. Et on a passé par une série de déceptions, des monarchies, de la démocratie, de la technologie, du capitalisme, etc. Et aujourd'hui, on est en train de vivre la déception du monde rationnel. On est en train de vivre la déception de l'âge des Lumières, qui nous a promis que le développement humain allait nous donner la liberté, et le progrès humain ne nous a pas donné la liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est dans une recherche d'un retour à quelque chose du sacré, justement, à quelque chose du mystérieux, à quelque chose de l'enfance, encore une fois, à quelque chose de tout ça. Mais c'est une quête de repères. Oui. C'est une quête de repères, et puis des repères qu'on est capable d'identifier, de là, on crée un récit quand on regarde le... Où on est capable d'avoir plus de sentis, ou d'accepter qu'il n'y a pas de repère absolu. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je parle devant un professeur de théologie, et donc j'ai un peu peur d'avoir l'air stupide, mais je veux quand même partager avec vous, c'est que durant des centenaires jusqu'à présent, on met en opposition l'esprit, la rationalité avec la foi. D'accord? Parce que le locus classicus de la foi, c'est-à-dire l'essence de la foi, c'est la révélation, alors que l'essence de la science, ben, c'est la rationalité. L'empirique. L'expérience. Alors, qu'on le veuille ou pas, on vient tous de quelque chose de sacré qui s'appelle l'enfance. Ok? Comment, selon les théories analytiques, comment est-ce que l'esprit de l'enfant s'est développé? Comment est-ce qu'il a été créé? Pourquoi est-ce qu'on a un cerveau? Et pourquoi est-ce qu'on en a encore besoin d'un? C'est un des articles que j'ai écrit. Do we still need a mind? Why do we need a mind? L'ordinateur fait tout mieux que nous. Why do we still need a mind? Okay? Bon. Mais l'esprit de l'enfant a commencé à imaginer, à halluciner, comme on dit en psychanalyse, à imaginer, à développer un espace intérieur qui se détache de la réalité saturée absolue de son existence lorsqu'il était frustré. C'est-à-dire la mère n'est pas là, il a faim, il crie. Et à un moment donné, bon, il crie, il attend, la mère n'est pas là. Tout ça, moi, j'utilise les mots de l'adulte. Mais imaginez le bébé de 2 semaines, de 3 semaines, de 1 mois, 2 mois, d'accord? Et un esprit se développe pour dealer, pour négocier, pour travailler cette réalité imparfaite, c'est-à-dire l'insaturation qui n'est pas saturée. Si on le pouffe, le bébé, tout le temps, ben, il va devenir idiot. D'accord? Et indect. OK? Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, dans une théorie de pensée, il n'y a pas besoin de développer un esprit. On développe un esprit pour composer avec l'imperfection de la réalité. C'est-à-dire que le mental s'est développé comme une façon de donner l'espoir. Comme une façon de dealer avec un monde qui est imparfait et de faire accroire au bébé que maman viendra parce que, en fait, maman viendra. Et si maman ne vient pas, ben, il n'y a plus de bébé. Et il n'y a plus d'espèce humaine. Et donc, la rationalité, le début, pourquoi on a un cerveau? Ben, on a un cerveau pour espérer. On a un cerveau pour croire. On a un cerveau pour avoir la foi. Et donc, la rationalité et la foi ne sont pas contradictoires. Ils sont mis en contradiction. Et il y a bien sûr le pape Benoît XVI qui parle de la rationalité de la foi, etc.
Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, je ne suis pas un théologue, vous avez un monsieur qui est théologue. Moi, je ne suis pas un théologue, je suis un psychanalyste. Mais je dis qu'on est en manque de confiance, on est en manque d'espoir, on est en manque de faith, on est en manque de croyance, parce que notre monde est fait de petites certitudes qui malheureusement nous oppressent et nous étreignent. Amen. Well, I told you that I'm a religious studies scholar and the Hebrew scriptures, and there's a remarkable passage in which a queen living in sub-Saharan Africa, specifically Ethiopia, by the name of Sheba, the queen of Sheba has heard from afar about this paradise, about this heaven in a place called Israel. And that the king, the monarch, whose name is Solomon, she must see and meet in person. Is this really true? And she goes with her whole caravan from Ethiopia to Israel. And she sees all the wealth of wisdom, because he wrote much of the Hebrew scriptures, the Psalms, Ecclesiastes. And after experiencing the wisdom of Solomon, she says, "They told me how wise you were, but they only told me the half of it, because Solomon was twice as wise as she has heard." And that, I believe, applies to Dr. Munir Sami. So we invite you to have a glass of wine. Many thanks to Jennifer Lowen Rubenstein, to the Pidon family. Really?